maintenant, je récupère tout. Je récupère tout. Et c'est covenant job recovery. Et c'est le Dieu de la restauration ce matin. C'est le cul d'onction ce matin. Tel que le serviteur de Dieu vient ce matin. By the power of the Holy Ghost. Par la puissance de l'Esprit Saint. I recover all this morning. Je récupère tout. I will not return the same again. Je récupère tout. Are you sure you are recovering right now? Est-ce que vous êtes en train de récupérer ce matin? Let's have a hear your voice que le ciel entende votre voix. Lord, I'm set for your word Père, today. Je suis prêt pour ta parole ce matin. As your servant minister Père, ton serviteur en ministère. Lord, I recover all. Père, je récupère tout. I recover all. Je récupère tout. I recover all. Je récupère tout. I recover all today. Je récupère tout aujourd'hui. Je ne repartirai pas tel que je suis venu. Tout ce que l'ennemi a volé, je récupère aujourd'hui. Tout ce que le diable a volé, je récupère aujourd'hui. C'est mon jour de restauration. C'est le jour où je récupère. C'est le jour de récupération. C'est mon jour de restauration. Père, nous disons merci. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus. Il y a la grâce de récupération, de restauration dans cette commission. And Bishop David Oyedepo. Dans l'évêque David Oyedepo. Has sent one of his sons to be a blessing to us. Il a envoyé un de ses fils pour être une bénédiction pour nous. It's an embodiment of the grace over this commission. C'est la représentation de la grâce de Dieu dans cette commission. And so we are privileged this morning. Donc nous avons le privilège ce matin. To have with us God's servant. D'avoir parmi nous le serviteur de Dieu. Who has gone on mission inspection. Qui est venu en mission d'inspection. And from first day. Et depuis jeudi. Have been imparting grace over. Il nous transfère des grâces. And this morning, et ce matin, grace is coming over your life. La grâce vient encore dans nos vies. I say grace is coming over your life. La grâce vient encore dans nos vies. It's my joy and my privilege. C'est ma joie et mon privilège. Let's put our hands together for them. Acclamons pour l'Éternel. As we welcome God's servant. Et recevons le serviteur Pastor de Dieu. Gideon, le pasteur Gideon. You can do better than that. You can do better. Hallelujah. Hallelujah. Come on, somebody give Jesus the loudest clap for praise. Très fort, acclame le Seigneur. If those hands are for the Lord, I'm sure si we can make it better and bigger. À Dieu, acclamez mieux que ça. Can we make it better and bigger? Acclamez le Seigneur, acclamez le better Seigneur, acclamez and le bigger. Seigneur. À haute voix, poussez les cris de joie. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. I like us to lift up our hands to s'il heaven. Te plaît, élève tes deux mains au ciel maintenant. And give Jesus thanks and praise. Rends grâce à Dieu, rends-lui la louange. Let's give him thanks. Élève tes mains, dis merci à Dieu. Let's give him praise. Rends-lui grâce, rends-lui louange. Father, we thank you. Père, nous te remercions. What a joy and privilege. C'est une joie, c'est un grand privilège. To be in your presence again this morning. De venir dans ta présence cette matinée. We give you all the glory and all the praise. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la louange. Father, we thank you. Père, nous te remercions. And to you alone be all the praise. À toi seul la louange. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. The Lord has not asked the seed of Jacob to seek him in vain. Dieu ne demande pas la postérité de Jacob de le chercher en vain. And today has been declared. Aujourd'hui, ça a été déclaré. As our covenant day of restoration. Comme notre jour d'alliance de la restauration. But specifically called our covenant day of recovery. Particulièrement dit notre jour d'alliance de la récupération. That means whatever the enemy has stolen from your life. Ça veut simplement dire tout ce que le diable a volé de ta vie. You are going to recover in this service. Vous allez le récupérer aujourd'hui. We had that testimony of a statement from the first testimony, right? Vous avez écouté ce témoignage. He said, when you don't know what is missing. Lorsque vous ne connaissez pas ce qui manque. You won't even know what to recover. Vous ne savez même pas ce que vous allez récupérer aussi. So I'm going to try to help you this morning. J'essaie de vous aider ce matin. What must I recover? Qu'est-ce que je dois récupérer? In my life this morning. Dans ma vie ce matin même. You are going to recover every lost glory. Vous allez récupérer la gloire perdue. Concerning your life. Concernant votre vie. God
called us to glory. Dieu nous appelle à la gloire. The summary of our calling is a call to glory. Le résumé de notre appel, c'est un appel de gloire. Romans chapter 8 from verse 28. Romains 8, 28. Through to verse 31. Jusqu'à 31. Romans 8, 28. Romains 8, 28. Through to verse 31. Jusqu'à 31. He said, and we know. Nous le savons. That all things. Que toutes choses. How many things? Combien de choses? All things work together. Toutes choses concourent bien. For good. Au bien. To them that love the Lord. De ceux-là qui aiment Dieu. To them who are called. Et de ceux-là qui sont appelés. According to his purpose. Selon son dessein. Is studio for us or be a day against us? I don't understand. Studio, vous êtes là? The verse 29 says, for whom he did foreknow, car ceux qu'il a connus d'avance, he also did predestinate, il a aussi prédestiné, to be conformed to the image of his son, à l'image de son that fils, he might become the first afin que son fils fût le premier entre plusieurs frères. Verse 30 says, verset 30, moreover, et ceux whom he did predestinate, qu'il a prédestiné, them he also il called, les a aussi appelés, and whom he et called, ceux qu'il a appelés, them he justified, il les a aussi justifiés, and whom he justified, et ceux qu'il a justifiés, damn, he il les a aussi glorifiés. The whole idea behind salvation, l'idée entière du salut, is to rescue you from shame, c'est de te racheter de la honte, bring you to a place of glory, et de t'emmener dans la gloire. If your life is not reflecting glory, si ta vie n'a pas de gloire, and beauty, et la beauté, and color, et du couleur, the enemy has tampered with. Ça veut dire que l'ennemi est en train de jouer avec toi. And it must be recovered this morning. Et ce jour, tu vas tout récupérer. You know, fathers have les pères, a God-given mandate. Ils ont un mandat de base. To recover what is missing. C'est de récupérer ce qui manque. Hear me clearly this morning. Écoutez-moi clairement ce matin. There is no irreversible case with God. Il n'y a pas de cas irréversible avec Dieu. There is no case that cannot be recovered. Il n'y a pas de cas clos avec Dieu. And I have a mandate from God. Et j'ai reçu le mandat de Dieu. Given to me through my father in the faith. Qui m'a été confié par notre père dans la foi. To recover whatever the enemy has de stolen pousser from à récupérer tout ce que l'ennemi a volé. In Genesis chapter 35 and verse 18. Genèse 35, 18. Genesis 35 and verse 18. Genèse 35, 18. I like us to know what to expect this morning. J'aimerais que vous sachiez à quoi s'attendre ce matin. He said, and it came to pass. Et comme elle allait, as her soul was departing. Rendre l'âme. For she died. Car elle était mourante. And she called his name. Elle lui donna le nom. Ben Oni. De Ben Oni. That is the mother said. Il y a un homme qui dit, your name is Ben Oni. Votre nom c'est Ben Oni. Ben Oni means the child of my sorrow. Ben Oni veut dire l'enfant de ma souffrance. His destiny was so, the mother programmed his destiny for sorrow. Sa destinée était programmée déjà pour la souffrance par sa mère. But the Bible said, but no, his father. Mais la Bible dit son père. Said his name shall be called Benjamin. Dit son nom sera appelé Benjamin. The son of my right hand. L'enfant de ma main droite. The son of blessing. L'enfant de la bénédiction. I don't know what has made life unlivable and bearable. Je ne sais pas ce qui rend ta vie insupportable. We are here to reverse it this morning. Aujourd'hui, on va tout changer. If somebody listen to me. Quelqu'un m'écoute ce matin. I'd like to tell you to lift up your voice. Élève ta voix maintenant. Lord, send to me my Seigneur, own word. Envoie-moi ma parole. That word. Cette parole. That will recover. Qui va me permettre de tout récupérer. Tout récupérer. And anything. Tout récupérer. That the enemy tout ce que l'ennemi a plagué avec dans ma vie. Is somebody speaking to the élève Lord? Ta voix, prie à haute voix. So heaven is hearing prie your à haute voice. Voix. Le ciel t'écoute ce matin. Every lost glory. Toute gloire perdue. In my life. Dans ma vie. In my destiny. Dans ma destinée. Let it be restored. Je le récupère. Let it be recovered. Qu'elle soit récupérée. Let him hear your voice. Que ma gloire soit récupérée. As you speak to the Lord this parlez, morning. Parlez, parlez à Dieu ce matin. I can't afford to leave this service. Je ne partirai pas de ce culte. The same way that I came. La même manière que je suis venu. Let there be recovery this morning. Qu'il y ait récupération, récupération ce matin. Parlez à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu. Je récupère tout ce matin. Let there be recovery. Qu'il y ait récupération ce matin. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions. And to you alone be all the glory. À toi seul soit la gloire. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus.
When God recovers or restores, quand Dieu restaure, he doesn't leave the person the same way. Il ne laisse pas la personne de la même manière. Restoration brings la restauration apporte a heavenly version of you into place. Les bénédictions célestes sur toi aujourd'hui. I had a testimony some years ago. J'ai entendu un témoignage il y a des années. For one of our churches in Nigeria. Dans une de nos églises au Nigeria. When I was a full-time Bible school in Kaduna. J'étais un pasteur là-bas à Kaduna. One of us had his car stolen. L'un d'entre nous, il avait cette histoire. A 505 Peugeot in those days. Il avait cette histoire. That was a concern to the man. Et il avait ce souci là. C'était devenu un souci pour lui. Because the car was almost a wreck. Donc ce véhicule était devenu un souci but pour lui. They stole the car from him. Et quelqu'un on a volé ce véhicule. And he reported the matter to the police. Et ils sont allés chez la police and porter plainte. Police the papers, the documents of the car. Donc ils ont apporté les documents du véhicule. That's listed on the document is the chassis number. Et il y a un numéro de plaque de matriculation sur le document. And after 3 months. Et après 3 mois qu'on a volé ce véhicule. Through the chassis number. Par le numéro de plaque de matriculation. They recovered the car. Ils ont récupéré le véhicule. Now this is a testimony. Écoutez ce témoignage. When they recovered the car, lorsqu'ils ont retrouvé le véhicule, they had worked on the car, ils ont déjà embelli le véhicule, serviced the engine to top notch. On a changé le moteur, on a un nouveau did moteur. A wonderful body work. Ils avaient déjà fait de nouveaux peintures. Fixed AC on the ils car. Ont mis même la climatisation. Change the force to leather. Ils ont changé ça. So when they recovered the maintenant, car, quand le propriétaire retrouve le véhicule, a brand new c'était car. Devenu un nouveau véhicule. That is what happens when God c'est ce qui se passe quand Dieu change it ta vie. Doesn't leave you the same way he meets il you. Ne te laisse pas de la when même manière. He recovers your destiny. Lorsque tu retrouves ta it destinée, brand new ça devient une nouvelle destinée. J'ai prié pour toi ce matin. I don't know what is missing je in your ne life, sais pas ce qui dérange ta vie, in your life, ce qui dérange ta vie. This service, après le culte de ce matin, a brand new destiny will emerge. Une destinée va venir en toi. A brand new will emerge. Oh, une nouvelle destinée va émerger. A better version of you will emerge. Une nouvelle destinée va émerger. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Heavenly Father, we thank you. Père céleste, merci. Send your word again to us. Envoie-nous ta parole. As you prepare us through your word. Et prépare-nous par ta parole. For the things you prepare for pour us. Pour les choses que tu as prévues pour nous. Thank you, mighty God. Merci, Dieu puissant. In Jesus' most precious name. Au nom très précieux de Jésus. Put those hands together acclamez for the Lord. Seigneur, acclamez le Seigneur. And please you may be seated in God's presence. Et asseyez-vous s'il vous plaît. I count it a great privilege to be here this morning. C'est pour moi un grand privilège d'être là ce matin. Privilege given to me by God's servant. C'est un privilège que je reçois de l'homme de Dieu. The apostle over this commission. L'apôtre établi sur cette commission. Who has sent me on this special assignment? Celui qui m'envoie dans cette mission spéciale. For two purposes. Pour deux buts. To find out how the church is faring. Je suis venu voir comment est-ce que l'église va. And also to be a blessing to you. Et je suis également venu pour te bénir. And since thousands have been here. Alors qu'on passe du temps ici. Meeting with the various leaders. Nous avons eu des réunions avec des leaders. Various levels. À différents niveaux. And this morning we are simply here. Et ce matin nous sommes simplement ici. To be a blessing to pour you. Pour vous bénir. Dites amen. The one who has sent me is with me. Celui qui m'envoie est avec moi. So whatever we do. This morning, heaven must confirm. Tout ce que nous déclarerons ce matin, le ciel va le confirmer. We are not here in our own capacity. Nous ne sommes pas ici par notre vouloir. We are sent. Mais nous sommes envoyés. And he that sent us et celui qui nous envoie, il est avec nous. So I like us to see beyond the person standing. Vous devez voir au-delà de la personne qui est debout like devant to see vous. The grace behind this commission. Vous devez voir la grâce derrière la commission qui est avec nous ce and matin. That grace cette grâce will take you from where you are va t'emmener de là où tu es where God has ordained you to be. À là où Dieu a ordonné que tu sois. In the name of Jesus, le bas amène à ma casier. Like I said to the workers, I asked quand God, j'ai dit aux ouvriers, why are we going on this assignment? Pourquoi est-ce que nous venons en cette mission? And said very clearly, c'est très clair. Said to lift them, nous venons élever to a place les gens of enviable destiny. À un endroit de destinée enviable. Where people look at you and they begin to envy. Les gens vont te regarder et ils vont t'envier. Where people look at you, they wish they were you. Les gens vont te voir, ils vont souhaiter être comme toi. Friends, listen to me. If nobody is desiring to be like you, that's a problem. Si personne ne désire devenir comme toi, tu es un problème. And the whole idea is for God to bless you to the level. Dieu veut te bénir jusqu'à un niveau. Where people wish they were
near you. Là où les gens vont souhaiter devenir we comme toi. Want to serve your God. Là ils veulent servir we ton Dieu. Come to you to ask from you what is the ils secret. Viendront te demander quel est ton secret. We are all at the same level before now. On était au même niveau how avant. Come your story has changed. Mais comment est-ce que ton histoire a changé? That's the whole idea, sir. C'est ça l'idée de Dieu. So if nobody is envying you, si personne ne t'envie or desiring to be ou like désire you, devenir comme toi, something must be done about it. Quelque chose devrait être fait rapidement. Je vais vous dire trois choses. Pick out a sheet of paper. Prenez un morceau de papier là où vous êtes. Write three things. Vous allez écrire trois choses. Three things. Trois choses. That must be recovered in your life. Que vous devez récupérer dans votre vie. Maybe it's your health. Peut-être c'est votre santé. Business, career. Votre carrière, votre affaire. Political aspirations. Peut-être c'est marital le mariage, destiny. La destinée maritale. Your health. Votre santé. But three things. Écrivez simplement trois choses. I give us 1 minute to do that. Et je vous donne une minute pour three le faire. Three things that must be recovered. Trois choses sur un morceau de papier that que vous devez récupérer. Tampered with. Ce que l'ennemi avait volé. You know, by this time, this should be a place in my life. Et ça doit être ma vie. But it's not happening. Mais ça, ne, ça like n'arrive pas. Pick a piece of paper. Alors prenez un morceau de papier. And if you don't have one, et si vous n'avez pas de morceau de papier, just humble yourself this morning. Demandez à votre voisin. I ask your neighbor for one. Demande à ton voisin say, un morceau beg, de papier. I beg my neighbor. Dis, voisin, just give me one. Donne-moi un morceau de papier. Have mercy on me. J'ai un besoin. Ask your neighbor, don't be looking like that. Demande à ton voisin, ne regarde pas comme ça. So 1 minute, we do that very quickly. Nous avons une minute pour le faire. Because I have so much to do this morning. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire ce matin. Three things. Trois choses simplement. That must be recovered in your life. Que vous devez récupérer dans votre between vie. Between now and Shiloh. Entre maintenant et Shiloh. Shiloh just 46 days away. Shiloh est dans 60 that jours. Means what you are writing this morning. Ce que vous écrivez ce matin. Others will be coming to Shiloh to receive. Les autres viendront les chercher but à Shiloh. But you going to Shiloh to testify. Maintenant tu iras à Shiloh pour les témoigner. Dis amen. Three, no more than three. Pas plus please. De trois, trois seulement. The 1 minute is almost gone. Le 1 mois sont déjà passé. So if you are done, say I'm done. Si tu es prêt, dis je suis prêt, j'ai fini. If you are not done, say wait for me. Si tu n'es pas encore prêt, dis attendez-moi. We'll give you 1 more minute. On t'accorde une minute encore. Now for all of us who have written down those three items, vous qui avez déjà écrit vos trois choses, place it under your chair. Placez votre papier sous votre siège. There's a grace here this morning. Il y a une grâce ici ce matin. Nothing flowing here this morning. Il y a quelque chose qui coule dans ce lieu ce matin. On this ground, l'onction sur ce sol. To start seeping into those requests. Va commencer à just plonger put it, dans ce papier. On the ground. Mettez ça sur ce papier. And as soon as you are done writing your own, après que vous avez fini d'écrire, you also place that on the ground. Mettez le vôtre également now sous very votre quickly siège. This morning, et rapidement ce matin, before we partake of the of the anointing, avant de prendre part à l'onction d'huile, God has sent to us again this month. Dieu nous parle encore ce mois. He declared this month as a month of sanctification. Il a déclaré ce mois comme l'autre mois de la sanctification. Godliness, le thème du mois, la piété, is profitable, est utile, unto all things, à toutes choses. In other words, en you don't terme, have anything to lose. Vous ne perdez rien. By being godly, lorsque vous marchez dans la piété, you have everything to gain. Cependant, vous gagnez toutes choses. By being godly, lorsque vous vivez pieusement, godliness is profitable. La piété est profitable. Unto all things, à toutes choses. The anchor scripture is 1 Timothy chapter 4, 1 Timothée 4, and verse 8, verset 8. But I want us to extend it to verse 9 a bit. Nous allons aller jusqu'au verset 1 Timothy chapter 8 and verse. Chapter 4, verse 8. It's a bodily exercise. Exerce profited little. But godliness is profitable. Unto all things. À toutes choses. Having the promise. Ayant la promesse. Of the life that we now live. De la vie présente. So it guarantees an enviable destiny. Elle garantit une destinée enviable. It also secures eternity with Christ. Et elle garantit l'éternité and avec I Christ. Love verse 9 so much. J'aime le verset 9. Verse 9 is very verset important. 9 est très c'est important. This is a faithful c'est saying. Là une parole certaine. I'm not trying to cajole you. Je n'essaie pas de vous cajoler. I'm not trying to deceive you. Je n'essaie pas de vous tromper. This is a faithful saying. Il dit c'est une parole certaine. And it's worthy. Elle est entièrement of all acceptation. Digne d'être reçue. God is simply saying, je dis simplement what I'm saying to you ce que j'essaie de vous dire is the key est la clé to filling
your glorious pour accomplir votre destinée glorieuse. You can count on it. Vous pouvez compter sur elle. That godliness que la piété will always deliver va toujours accomplir at anything. À tout moment. And of course, you know that out of the mouth of two or more witnesses, d'ailleurs, a matter is established. Un homme in Timothy chapter 3 and verse 8. Un Timothée 3, 8. Titus, sorry, Titus chapter 3. Titus chapter 3 and verse 8. Titus 3, pardon. Titus. Titus. Please, Titus. Titus, s'il vous plaît. Chapter 3. Chapter 3. And verse 8. Verset 8. So this is a faithful saying. Cette parole incertaine. These things are with. Are that thou affirm. Et je veux que tu affirmes ces choses. Constantly. Constamment. That they which have believed in God. Afin que ceux qui ont cru en Dieu. Must be careful. S'appliquent. To maintain good works. À pratiquer de bonnes œuvres. Good works there simply means godly living. La bonne œuvre ici, c'est la piété. Being a member of the sanctuary qui peut vivre. It means godly living. Ça veut dire vivre dans la piété. Please leave it on studio. I've not finished. Remettez le verset, I'm s'il vous plaît. Remettez le verset. Why is this so important? Pourquoi est-ce que cela est important? These things afin que ces choses are good sont bonnes and profitable et elles sont profitables unto men. À tout le monde. You want to maximize your walk with God. Vous voulez maximiser votre marche avec Dieu. You want to fulfill destiny. Vous voulez accomplir votre destinée. Godliness is not optional. La piété n'est pas optionnelle. Now, some of us. Il y a certains d'entre nous. Went to tertiary institution. Lorsque dans les institutions. I don't know what the curriculum here in Congo. Je connais pas votre curriculum back home, ici. Mais there are courses we call core courses. Il y a des cours de base. And there are courses we call electives. Il y a des cours qui sont électifs. If you fail an elective, si vous échouez ce cours électif, they may graduate you. On va pas, on but va, when you fail a core course, mais si vous ratez le cours de base, must repeat the class. Vous allez répéter la classe. When it comes to blessings, lorsqu'il s'agit de la bénédiction and promotion, et de la promotion. And lifting, et de l'élévation. Godliness, la piété, is the core course. Est la cour de base. You must pass the. Vous devez réussir le cours de base. Before God can visit qui est your la piété life. Avant que Dieu ne vous visite. The test of godliness, l'examen de la piété. You remain on the same spot. Si vous le ratez, vous restez au même niveau. So if things have not been working, alors si les choses n'ont pas marché, in all probability, dans toute la probabilité possible, you have not passed the test of godliness. Ce que vous n'avez pas réussi au test you de la piété. Every other thing. Vous pouvez réussir d'autres choses. Huh? Mais le cours de base maybe est important. Things are not working in your beaucoup marriage. De choses ne marchent pas dans it's ta not vie. Working in your business. Ça ne marche pas dans it's ton entreprise. In your career. Ça ne marche pas dans ta carrière. Maybe peut-être you have failed the test of godliness. Vous avez failli à l'examen de la piété. Christianity, la chrétienté, is a call to a most profitable living. C'est l'appel à une vie meilleure. That's why it's a godliness profitable. Voilà pourquoi on dit que la piété est utile. As a matter of fact, the whole idea, like I said, comme j'ai dit, where God called us, pourquoi Dieu nous appelle, is to bless us. Dieu nous appelle pour nous bénir. Maybe you are not aware. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. The central theme of the gospel, la clé majeure de l'évangile, is blessing. C'est la bénédiction. The whole gospel is all about blessing. Tout l'évangile parle de la bénédiction. So if you are not reflecting God's blessing, et si vous ne reflétez pas la bénédiction de Dieu, is not with God. Le problème n'est pas chez Dieu. You should check yourself. Le problème, vous devez sonder and vous-même. See that clearly from the scriptures. Vous voyez clairement dans les Écritures. Galatians chapter 3 and verse 8. Galates 3, 8. Galatians 3 and verse 8. Galates 3, 8. He said, il dit, and the scriptures, aussi l'Écriture, foreseeing that God would justify mais voyant the que Dieu justifierait les païens faith, par la foi, he simply means the unbelievers, ça veut dire les païens, the non-Jewish people, ils ne choisissent pas les gens before, qui n'ont pas été prêchés the gospel unto Abraham saying, parce qu'Abraham avait dit toutes ces choses, toutes les nations seront bénies en toi. Of the earth be blessed. Toutes les nations de la the terre gospel seront bénies is all about blessings, sir. Tout s'agit de la bénédiction. In Acts chapter 3 and verse 26. Acte 3 26. Acts 3 26. Acte 3 26. Acts 3 26. Acte 3 26. It says, ça dit là-bas, unto you first. C'est à vous premièrement, God, que Dieu, having raised up his son Jesus, ayant ressuscité Jésus-Christ, sent him, l'a envoyé, to bless you, pour vous bénir.
The whole idea where Jesus came is to bless. L'idée principale pour laquelle Jésus est venu, c'était pour te bénir. To make life better for il us. Est venu te rendre la vie meilleure. He came to make life enviable for il us. Est venu te rendre la vie enviable. He came to bring you out of poverty il est venu te sortir de la pauvreté à la prospérité. He came to deliver you from sickness to, il est venu te délivrer de la maladie à la bonne santé. He came to bring you out of stagnation. Il est venu te sortir de la stagnation. To a place where things work. À un endroit où les choses vont and marcher. Things are still working. Et ça marche. That is why he came. Voilà pourquoi Jésus est venu. To make us the envy of pour our te world. Rendre une envie de ton monde. So Jesus came to bless us. Jésus est venu pour nous bénir. And we see that in our father Abraham. Et nous voyons ça dans notre père Abraham. In Hebrews chapter 6 and verse 12. Dans Hébreux 6, 12. Hebrews 6 from verse 12 to 18. Hebrews 6, 12 à 18. Let's start from verse 13 because of time. Commençons verset 13. Okay, verse 12 is still okay. Verse 12. Verset 12. Révélé. And that ye be not slothful. En sorte que vous ne soyez pas relâchés. But followers of them. Et que vous imitiez. Who through faith. Ceux qui par la foi. And patience. Et la persévérance. Inherit the promise. Hérite des promesses. Can I have your Bible? Est-ce que je peux avoir ta Bible? This book. Ce livre. Is a book of promises. C'est un livre de promesses. The Bible calls it exceeding. Precious. La Bible appelle cela un livre précieux, excédemment précieux. Promises. Les promesses de Dieu. And the next verse, verse 13. Le prochain verset, verset 13. For when God made a promise unto lorsque Abraham, Dieu fit la promesse à Abraham, because he could swear by none greater, nous pouvons jurer par un plus grand he que lui. By himself, il jura par lui-même. Saying, et dit, in bless, saying, certainement, surely, certainement, in blessing, I will bless en bénédiction, je te bénirai. In multiplying, I will multiply. Et je te multiplierai. And verse 15. Verset 15. And so after he patiently endured, et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. No, let's go back to verse 4. Reviens au verset 14. Verse 14. Verset 14. Say, surely blessing, I will bless thee. En bénédiction, je te multiply, bénirai. I will multiply thee. Et je te multiplierai. Verse 15 now. Verset 16. And after I personally endured, après avoir persévéré, il obtient la promesse. Verse 16. Verset 16. He said, for men verily swore by the greater. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. An oath of confirmation. Et le serment est une garantie qui m'est faite. Is to them the end of all strife. À toutes leurs différences. Verse 17. Verset 17. Wherein. C'est pourquoi. God more willing. Dieu voulant montrer avec plus d'évidence. To show the heirs of promise, aux héritiers de la promesse, the immutability l'immutabilité of de sa résolution, confirmed it by an oath. Intervint par un serment. Verset 18, je vais vous montrer quelque chose. Verset 18. By two immutable things, afin que par deux choses immutables, in which it dans is lesquelles il est impossible for God to que Dieu mente. Now what that entire place is saying, ce que cela voudrait dire, God's word, la parole de Dieu. Holds God's promises for us. A des promesses de Dieu pour nous. And every of God's promise to us. Et toutes les promesses de Dieu pour nous. Is backed up by an oath. Sont soutenues par un serment. That means when God says. Ça veut dire quand Dieu le dit. I'm going to make you the head and not the tail. Que je ferai de toi la tête what et non la queue. What it simply means is this. Ce que cela voudrait dire. I have sworn by myself. Je dis, je jure par moi-même. That I'm going to make you the head. Que je ferai de toi la tête, when tu seras God pas la queue. When God says he's going to heal you. Quand Dieu dit, je vais te guérir. That promise is backed up by cette an oath. Promesse est soutenue par un serment. Quand Dieu dit je vais te bénir financièrement, il y a un serment qui soutient cette promesse. They are not empty statements. Ce ne sont pas des déclarations vides. And the Bible says, et la Bible dit and if you are in Christ Jesus, et si vous êtes en Jésus Christ, you are entitled to those promises. Vous avez droit à ces promesses. Galatians chapter 3 and verse 29. Galates 3, 29. Galatians 3, 29. Galates 3, 29. Please follow me carefully. Suivez-moi attentivement. Because I like you to understand what is happening. J'aimerais que vous compreniez ce qui and se passe. Be Christ, si vous êtes à Christ, then I, vous êtes donc Abraham's seed, la postérité d'Abraham. And heirs, héritier according to the promise. Selon la promesse. But what is the problem? Mais c'est quoi le problème? Why are Christians pourquoi est-ce que struggling? Les chrétiens sont là en train de lutter? Why are we not experiencing this blessing? Pourquoi nous n'expérimentons pas ces bénédictions? Give us two scriptures. Dans les deux écritures. 2 Corinthians chapter 7. 2 Corinthiens 7. And verse 1. Verset 1er. That's where we are going to this morning. C'est là où nous allons ce matin. Ayant donc these promises. Et telles promesses. What promises? Quelles promesses? Good health. Bonne santé.
Financial prosperity. La prospérité financière. Peace at home. La paix. Breakthrough in life. La percée dans la vie. Having these promises. Ayant de telles promesses. Dearly beloved. Bien aimé. Let us cleanse ourselves. Purifions-nous de toute souillure. From all filthiness of the flesh. De toute souillure de la chair. And the spirit. Et de l'esprit. Perfecting en achevant notre sanctification. In the fear of dans God. La crainte de Dieu. The promises are real. Les promesses sont réelles. But it's not accessible. Mais elles ne sont pas accessibles. Without holiness. Sans la sanctification. Acts chapter 20 verse 32. Acte 20, 32. Acts 20, 32. Acte 20, 32. Acts 20, 32. Acte 20, 32. And now, brethren, et maintenant, frère, I commend you to je God, vous recommande à Dieu the word of his grace, et la parole de sa which grâce is able to build à celui qui peut édifier and to give you an inheritance et donner l'héritage among them avec tous les sanctifiés. The problem is not with God. Le problème n'est pas avec Dieu. God doesn't have a problem blessing Dieu n'a pas you. De problème pour te bénir. The problem is preparing le problème for the de Dieu, c'est de nous préparer à la bénédiction. Do you know it doesn't cost God anything? Ça ne coûte rien à Dieu. To turn into a multi-millionaire between now and Sunday. De vous changer en un multimillionnaire entre maintenant et le prochain dimanche. But the problem is if you see le problème avec toi. 1 million CFA. Si on te donnait 1 million de francs CFA ce matin. Will you still be in church on Sunday? On ne te verra plus le dimanche prochain à l'église. I didn't say amen, I said it's a question. C'est pas amen, il faut pas dire amen. If God gives you 1 million CFA now, si Dieu te donne 1 million de francs CFA maintenant, would we send Pastor William? Si on envoie le pasteur William pastor, et le pasteur associé, to go and look for you. On va te chercher partout dans la ville, on va pas te trouver. He knows. Dieu le sait. He doesn't have a problem. Il n'a pas de souci giving you a child. De te donner un enfant. Blessing your business. Il n'a pas de souci de bénir ton entreprise. Is the sin problem. Mais c'est le problème du péché qui cause tout ce souci. And that is why this month we are focusing on sanctification. Voilà pourquoi ce mois nous nous focalisons what sur is la sanctification. C'est quoi la sanctification? The process of removing sin. C'est la procédure d'enlever le péché. Sanctification is not a product, it's a process. La sanctification n'est pas the un produit. The product of sanctification c'est is righteousness. La procédure. Parce que le produit de la sanctification is a process. C'est la justice. God la is in the hurry to bless you. C'est la procédure. The Dieu year te is gradually coming to an end. Et Dieu veut que l'année finisse. And he wants to release to you the balance of your blessing. Et il veut te donner le solde de ta bénédiction. For the year 2024. Pour l'année 2024. But sin won't allow him. Cependant, le péché t'empêche. He wants to prepare you. Il voulait te préparer. For what he has prepared for you at Shiloh. Pour ce qu'il a prévu pour toi, Shiloh. But sin may hinder. Cependant, le péché t'empêche. Why? You know why? Pourquoi? The scriptures can't be broken. Les écritures ne peuvent pas les briser. Isaiah 59. Isaïe 59. And verse 1 and 2. Verset 1 et 2. Isaiah 59. Isaïe 59. And verse 1 and 2. Verset 1 et 2. He said, behold, voici, the Lord's hand, la main de l'Éternel, is not short, n'est pas trop courte, that he cannot save, pour sauver, neither he hears, ni son oreille, heavy, trop dure, that he can hear, pour entendre. Is aware of that issue in your life. Dieu est au courant de but cela. Why is he not showing up on your behalf? Mais pourquoi il se montre pas? Why is he not intervening in your favor? Pourquoi est-ce qu'il se montre pas? Why is there no restoration and recovery? Pourquoi n'y a-t-il pas de restauration? Verse 2 says, il dit, mais ce sont vos crimes have separated you qui mettent la séparation between you entre vous and your God. Et votre Dieu. Your sins vos péchés have hid his qui vous cache from you sa face that he will not hear l'empêche de vous écouter. Please, can I tell you the truth? Je peux vous dire la vérité. The scriptures can't be broken. Les écritures, on ne peut pas les briser. God will never adjust the scripture for anybody. Dieu ne va jamais ajuster un verset biblique pour so toi. If things are not working, il a dit, si vous marchez avec le moqueur, check yourself. Changez-vous, vérifiez en vous. If there is anyone that wants things to work for you, si vous voulez que les choses marchent pour vous, it is God Almighty. C'est Dieu qui le souhaite le mieux. If it is not working, si ça ne marche pas, something is coming between you and il y a God. Quelque chose qui se dresse entre vous. What are the things we want to address this month? Quelles sont les choses qu'on veut voir en ce mois? To look at this part of it, this first service. Nous allons voir une partie au premier culte. Part in the second une service. Deuxième partie au deuxième so culte. Under each subtopic, nous allons voir ce we'll sous-titre. Like two under each subtopic, chaque sous-titre and we'll treat the rest in the second service.
What are the things we must know this morning? Quelles sont les choses à connaître ce matin? God will not fail us. Dieu ne va jamais nous dire to do what He has not increased us to. De faire ce qu'il nous donne pas la grâce de faire. If God is saying clean up, si Dieu dit nettoyez-vous, I want to change your story. Je veux changer votre histoire. It simply means you have the capacity. Ça veut simplement dire vous en avez la capacité de le faire. What do I need to know? Number two. Qu'est-ce qu'il faut savoir? God will not tell us. Dieu ne nous dira pas to be what He has not empowered us. D'être ce qu'il nous donne pas la capacité d'être à devenir. If God said be holy, si Dieu dit sois saint, it's because God has increased. C'est parce qu'il te donne la grâce. He empowered you. Il te donne la puissance. As many as received, à tous ceux-là qui l'ont reçu, them gave you power. Il leur a donné le pouvoir. He has empowered you to il vous donne le pouvoir de vivre life of righteousness. La vie de la justice. If you are not living in righteousness, si vous ne vivez pas dans la justice, it's simply a choice you have c'est made. Simplement un choix que vous avez fait. Not because the grace pas parce qu'il n'y a pas la grâce. It's a choice. C'est un choix. So sanctification is a choice. La sanctification est un choix. It's not a gift. Et ce n'est pas un don, c'est un choix. Like I said, it is the choice of the wise. Et c'est le choix des hommes sages. Because godliness, parce que la piété, is profitable, est utile unto all things, à toutes choses. So one of the things we are looking at this morning. Quelles sont les choses que nous voyons ce matin? What are the things we look at this morning? Quelles sont les choses que nous voyons ce matin? Under this teaching. Understanding the pathways, comprendre les voies d'accès to sanctification, à la sanctification. The pathways, comprendre les sentiers. How do I live a godly life? Comment mener une vie pieuse? Number one, numéro un, you must engage the name of Jesus. Vous devez engager le nom de Jésus in the battle against sin. Dans le combat contre le péché. The battle against sin is real. Le combat contre le péché est réel. And everybody fights that battle. Et tout le monde fait face à ce combat. You can never overgrow the battle against vous sin. Ne pouvez jamais éviter ce combat contre le péché. You go, plus vous grandissez, the stiffer, the tougher the battle. Plus le combat devient rude. So how do we defeat the enemy? Cependant, comment vaincre l'ennemi? We get the name. Nous vaincrons l'ennemi. You see, what does the name do? Le nom de Jésus fait quoi? Basically, the name comes to address wrong thoughts. Le nom de Jésus vient enlever les mauvaises pensées. Because every sin, act of sin, parce que tout acte de péché started as a thought. Commence par la pensée. That was not addressed. Et si une pensée n'est pas adressée, it became an act. Ça va devenir l'acte. So when you start thinking about fornication, quand vous commencez à penser adultery, la fornication, l'adultère, or whatever thing else you are thinking vol, about, ou d'autres choses, quickly address it with vous the name devez of Jesus. Vous lever contre cela par le nom don't de Jésus. Say the thought will disappear. Ne dites pas que la pensée va partir. Non. If you don't address it, si vous vous levez pas, and cast the thought out, et chassez la pensée. It will soon materialize to an action. Très bientôt, ça va so, devenir une action. All of a sudden, all of a sudden, donc tout le temps, you that know that is working with God, vous qui marchez avec all Dieu, of a sudden you can't get your mind off a particular lady. Si vous votre pensée pense à une femme particulière, do you know it happens to pastors? Ça arrive même aux pasteurs. Now, see, negative. What we call temptation. Temptation is not the same thing as sin, please. La tentation n'est pas la même chose avec la pensée. Say if he is tempted. Being tempted does not mean sin. Être tenté ne veut pas dire le péché. Even Jesus was tempted. I hope même Jésus était tenté, vous le savez. So when thoughts, lorsque les pensées, that promote temptation, qui promeuvent la tentation, tell you, that girl is cheap now. Vous dites, oh, ben, cette fille est facile. Girls have been come to my office not once. Some of them I can't even share my office. Il y a des dames qui viennent même dans mon bureau. She may pick fight. They've been to my office. Elles viennent dans mon bureau. C'est ça, I can pay for an all weekend expense. Il dit, je peux payer pour toutes les dépenses, monsieur. Faisons une sortie à la ville. The two of us. Nous deux seulement, allons à la ville. I mean, pretty girls. Et de belles dames. And because you have flesh and blood. Et à cause de la pensée. You may give it a second thought. Tu peux avoir même une deuxième pensée. At that time, what you need to is to deploy the. À ce moment-là, il faut déployer une force. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. One of them was so persuasive. Il y avait même une dame qui était vraiment décidée. It's okay, even if you don't want to sleep with me. Même si tu veux pas coucher avec moi. Let me just sit on your leg. Permets-moi seulement de m'asseoir sur tes genoux. I said, if you sit on my leg. J'ai dit si tu t'assois sur mes genoux. Your destiny is destroyed ta forever. Ta destinée est détruite pour toujours. Till I left that stage, I didn't see again. Et je l'ai plus revue tout ce temps. Elle est partie pour toujours. Ten
temptation comes to everybody. La tentation arrive chez tout le monde. But the name of the Lord is a strong tower. Cependant, le nom de Jésus est une the tour. The righteous engage that name. Le juste entre là-bas. And they are delivered. Et il en refuge. So don't say the thing we go. Ne dis pas non, ça va passer elle-même. Address it. This wrong thought to come here. La mauvaise pensée doit partir. I curse you je in the name of Jesus. Je la maudis au nom de Jésus. So you address it. Et vous parlez comme ça. Number two. Numéro deux. Flee from all the traps of the devil. Fuyez devant tous les pièges du diable. Fuyez. Flee. The Bible says flee. La Bible dit fuyez. When the Bible says flee, flee. Quand don't la Bible say, dit fuyez, don't say fuyez. I know myself. Ne dis pas non, je vais me contrôler. With your eyes open, you fall. Sir. Avec tes yeux ouverts, tu vas tomber, tu vas succomber. This flee actually has to do with immorality. Donc fuyez, c'est surtout sur l'immoralité sexuelle. There are people who come to me for counseling. Il y a des gens qui viennent voir le pasteur pour le conseil. I will instruct my secretary never to anytime this person comes, send him to either any other pastor around. Il y a des gens quand ils viennent me voir, je les redirige vers l'autre pasteur. Relationship is not by force. Les relations ne sont pas par force. It's by choice. Mais c'est par le choix. Can I say this to you? Je peux vous le dire ceci. There is no relationship that lives the same way. Il n'y a pas de relation qui va vous laisser every la même manière. Relationship is either adding to chaque you. Relation soit va vous ajouter quelque chose or taking from ou vous réduire quelque chose. So you choose your friends wisely. Alors choisissez vos amis vous-même. That's what the Bible said. Do not be deceived. Voilà pourquoi la Bible dit evil communication. Les mauvaises compagnies corrupt good manners. Corrompt les bonnes mœurs. 1 Corinthians 15. Corinthiens 15. So watch who your friends are. Alors veillez sur vos amis. You cannot be friends with drunkards. Vous ne pouvez pas être des amis des ivrognes. And said I know myself. Et dit que non, je ne bois pas. It's only a matter of time. Ce n'est que question de temps. You cannot be friends with those who smoke. Vous ne pouvez pas être amis des fumeurs. Do all kinds of wrong things. Et qui font toutes sortes de choses. Ça, it's easier. C'est plus facile. Do you know that if you are standing on top of these si vous vous tenez, this thing that's holding the speaker, au-dessus de ce support qui tient, a 6-year-old old child can pull you down. Un enfant de 6 ans peut it's vous faire tomber. It's difficult to lift something from an elevated height. Donc c'est facile de faire tomber quelque chose qui est dans les hauteurs. C'est to lift up somebody who is like a 6 from that height will require some energy. Maintenant pour élever quelqu'un, le mettre là-bas, but for the same child to pull you down, mais la même personne qu'on a mise là-bas, un enfant de 6 ans peut faire tomber. Qu'est-ce que j'essaie de dire? People who are spiritually under you can cheaply pull you down. Les gens qui sont spirituellement sous vous peuvent vous ramener en arrière. That's why you must watch your friends. Voilà pourquoi vous devez veiller sur vos amis. So what must you do? Que dois-je faire? Walk in godliness. We're looking at three. This is five. Nous allons voir trois choses. You engage the name. Vous devez engager le nom. You flee from what is not vous devez good. Fuir tout ce qui est mal. And you watch your company. Et veiller sur what vos are compagnies. Some of the benefits? Quels sont les bénéfices? Of sanctification. De la sanctification. What do I stand to enjoy? Qu'est-ce que je jouis? Number one. Numéro un. It secures access. Cela garantit l'accès. To revelation. À la révélation. That triggers. Qui déclenche. Supernatural breakthrough. Des percées surnaturelles. Proverbs chapter 1 verse 23. Proverbe 1 23. Turn ye at my reproof. Il dit regardez mes réprimandes. Behold, I will pour out my spirit upon voilà, you. Voilà, je déverserai sur vous and mon I will esprit. Make my words known unto you. Et je vous ferai connaître mes paroles. Everyone in this kingdom is revelation made. Toute chose dans ce royaume est conduite par la révélation. Where you are today, là où vous êtes aujourd'hui, is the sum total of the things you know, est le total de ce que vous connaissez et de ce que vous avez pratiqué. I don't envy people. Moi, je n'envie pas des gens. When somebody is doing better than si me, quelqu'un fait mieux que moi, two things, deux choses, there must be something he knows, il y a quelque chose que lui connaît, that he's doing that I don't know, et il fait que moi je connais pas. Or there must be something he's not doing, ou bien il y a quelque chose que lui fait pas, that I'm doing, que moi je fais. So I don't envy, I try to find donc out. Je n'envie pas, mais j'ai fait les recherches. So one time we went for pastors meeting. Alors une fois on était dans la réunion des pasteurs. And I heard Pastor Matthew Bourne is in Madagascar for this assignment. J'ai entendu ce so pasteur. We were too many pastors, so they had to pay us. That was my first time of meeting him. C'était ma première fois de voir ce pasteur. And I heard him sharing a testimony over the phone. Il partageait un témoignage au téléphone. Of how that he was in a church. De comment il était dans une église. Or where there was a diocesan headquarters. Donc il était dans une église. And God blessed him with two cars. Et Dieu lui a béni abondamment là-bas. There is no need to envy, sir. Et y a pas. So when he ended the call, quand il a fini l'appel, I walked to him. Je suis allé vers lui. I said, sir. J'ai dit, monsieur. When you're my senior. J'ai entendu votre appel. What did you do? Qu'est-ce que vous avez fait?
What did you do that brought those two cars? Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ces deux véhicules? He started giving Papa seed on a monthly basis. Lui, il avait commencé à donner des semences à l'évêque chaque mois. So I wrote a check of 5,000. Et j'ai écrit maintenant un chèque. Gave to him as a seed for that revelation. De 5,000 que je vais donner comme semence à cette révélation. 5,000 that time was almost like 70% of my monthly income. À l'époque, 5,000 c'était beaucoup d'argent. So I went to the towers, Papa's office. Je suis allé à l'évêque. I said, I'm going to do this thing better. Je vais faire cette chose I'm not going to give monthly. Je vais pas donner because I'm not in the assistant headquarters. Mensuellement, je suis I'm in a là-bas. Village in LA. It's a small village au nord du Nigeria. But I'm going to get Papa's number. Mais je vais prendre le numéro de compte and instruction on de l'évêque. Et on je vais of every month. Donner à mon gestionnaire de compte une instruction. Le 5 de chaque mois, l'argent doit quitter mon compte pour le compte de l'évêque. Et je suis allé voir le secrétaire de l'évêque. J'ai dit, je ne peux pas avoir son numéro de compte. Il m'a regardé. Il a dit, non, on ne donne pas ça aux gens. If you need anything to send anything to him, si tu veux envoyer quelque chose drop à lui, it at your desk. Viens donner ça ici et on va lui transmettre. But as I turned to leave, et je me tourna pour quitter son bureau, he said, "Come back." Il m'a dit reviens. Something says I should give it to you. Quelque chose me dit je dois te donner son numéro Sir, de compte. And he gave it to me. Et il m'a donné son numéro de compte. And I gave it to my bank. Et j'ai donné cela 5,000 every month. À mon gestionnaire de compte. In that village, dans ce village, we don't have two people who have two cars. On a même pas de gens qui n'ont pas deux véhicules. God gave me two cars. Dieu m'a donné deux véhicules dans ce village. Il m'a béni avec deux véhicules. Revelation. La révélation. Where you are now, là où vous êtes maintenant, is the sum total. Est le résultat. Of the revelations you have. Des révélations que vous avez appliquées. And sin won't allow you to see this thing. Et le péché vous empêche à voir ces choses. So number one benefit. Le premier bénéfice of sanctification de la sanctification is revelation. C'est la révélation. Number two. Numéro deux. It secures answers to prayers. Ça garantit l'accès aux réponses aux prières. Friends, can I tell you the gospel truth? Je vous dis la vérité. God does not answer every prayer. Dieu ne répond pas à toutes les prières. Please, no, hear me clearly. Écoutez-moi attentivement. I didn't say he does not hear every prayer. Il n'écoute pas toutes les prières. He hears every prayer. Il entend toutes les prières. But he doesn't answer every prayer. Mais il n'exauce pas toutes les prières. He hears everyone. Il entend tout le monde. He does not answer everyone. Mais il n'exauce pas tout le monde. In Psalm 66 and verse 18. Le psaume 66, 18. He said, if I regard iniquity si in my je heart, trouve l'iniquité dans mon cœur, for many years, pendant des années, I didn't not take note of that word regard. Je n'avais pas. It didn't say if I commit iniquity. C'est comme si j'avais commis l'iniquité. Regard simply means if I'm thinking what is wrong. C'est comme si je pensais à ce qui est mauvais. Regard means I have not done it yet. C'est comme si je l'ai pas fait. But I am planning to do it. Mais je plante. That would mean if I regard. It didn't say if I commit. Si je garde l'iniquité dans mon cœur. That is how deadly sin can be. Et c'est comme ça que le péché peut être mortel. If I regard iniquity si in je my conçois heart, l'iniquité dans mon cœur, not that I have committed iniquity, pas but que je l'ai I commis, am just brooding over sin. Je suis en train de m'organiser. I'm planning how to execute sin. Je suis en train de planifier comment faire ce péché d'abord. He said, God will not hear. À ce moment-là, Dieu ne va pas m'exaucer déjà. You know why your prayers are not answered now? Vous savez pourquoi votre prière n'est pas exaucée? So people come to Shiloh. Les gens viennent à Shiloh. With all manner of prayer points. Avec tout type de prières. Without any answer. Sans la réponse. Because that's a sin problem. Parce qu'il y a un problème de péché. Did God see the prayers? Et Dieu n'exauce pas ta prière. He saw your Shiloh expectation. Alors vous devez sonder votre cœur. How do you pray the Shiloh prayer hour? Vous avez prié pendant l'heure de prière de Shiloh. God iniquity. Et il y a l'iniquité dans le cœur. So there's no point coming to Shiloh this year. Ne venez pas Shiloh cette année. Without settling certain sins. Sans avoir réglé certaines choses. What is that thing that could cause me? Quelle est cette chose qui pourrait m'empêcher? Answers to my prayers. Avoir la réponse à mes prières. I must deal with them. Je dois me lever contre cela avant Shiloh. Lastly, this morning. Et en ce mois. What are the costs? Quels sont les coûts? Of ungodliness. De l'impiété. It blocks access. Les conséquences du péché, ça bloque l'accès. To divine wisdom. And what an irony. The focus of Shiloh is wisdom. Le thème de Shiloh, c'est la sagesse. So if you are not standing right with God. Si tu ne te tiens pas bien avec Dieu. Forget Shiloh this year. Oublie Shiloh de cette année. Sin will not allow you. Le péché ne va pas te le permettre. To enjoy what God has for you. Pour jouir de la sagesse que Dieu a prévue. But this morning. Mais ce matin, as you get anointed, alors que vous serez oint, grace will come, la grâce viendra enable you et va vous donner la capacité to live a life that is de mener to God. Une vie de sagesse. Can I tell you the truth? Is possible to live a life that is pleasing? C'est possible de mener une vie qui plaît à Dieu.
God won't tell us to do so. Dieu ne nous demandera pas de faire une chose. If it's not possible. Si ce n'était pas possible. So receive grace this morning. Alors cherchez la grâce ce matin. This morning. Soyez déterminé ce matin. Because your profitable walk with God. Parce que votre marche profitable avec Dieu is tied to godliness. Est liée à la piété. Today is our covenant day of recovery. Aujourd'hui c'est notre jour d'alliance de la récupération. Very soon we're going to be partaking of the anointing. Très bientôt on va prendre part à l'onction. And this anointing has been programmed as anointing for recovery. Et l'onction c'est l'onction de la récupération. I forgot to give my phone to the studio. J'ai oublié de donner mon numéro au studio. I was in Point Noir two Wednesdays ago. J'étais à Pointe Noire il y a deux semaines. One of our churches. Dans une autre église. It's called Fontetier Church. À l'église de Fontetier. And we served them communion. On a servi la communion là-bas. And this woman, I think she came also to see me, that complained that she's not able to conceive. Elle avait problème de conception. That something keeps moving in et her. Il y a quelque chose qui marchait dans son ventre. And I anointed her as well. Je l'ai oint, j'ai prié pour elle. After the communion and the prayer, après la communion et la prière, she got back home. Elle est allée à la maison. And a live snake came out from my private part. Un serpent vivant est sorti de son ventre. They sent the pictures to me. On m'a envoyé les images. I mean, live snake. Je vous dis, un serpent vivant. So, wickedness is real. La méchanceté est réelle. Make no mistake about this. Beaucoup ne le pensent pas. There are forces that are vowed. Il y a des forces qui ont juré. That you will fulfill your glorious vous destiny. N'allez pas accomplir votre destinée. But hear me this morning. Mais écoutez-moi. I had God said to me. Dieu m'a dit. He said the rod of the wicked. Le bâton du méchant. Shall not rest upon the lot of the righteous. Ne sera pas sur le lot des justes. Lest the righteous. Laissez le juste. Put his hands in iniquity. Mettre sa main. Anything that represents the rod of the tout wicked. Tout ce qui représente le bâton that du méchant. That is threatening your life and destiny. Qui met ta vie en mal. That won't allow you to become all qui that God has. Qui ne te pas de recevoir. Ordained you to be. Ce que Dieu that is affecting toi. Your health. Et cela affecte ta santé. Affecting your resources. Ça affecte tes ressources. Affecting your business. Ça affecte tes affaires. Affecting your career. Ça affecte ta carrière. An end is coming to it this aujourd'hui, morning. Cela sera mis à fin. By this anointing, that yoke will be broken. Par cette onction, le joug est brisé. As you take a shot of that oil. En prenant cette huile dans ta bouche. I wanted to give them two pictures. Je vais vous donner deux images. Not too long ago. Pas il y a longtemps passé, station, il était dans une station, quelque part, à River State. To have a very committed pastor. On avait un pasteur bien engagé handling one of the stations, qui gérait une station, Pastor Wanda. Pasteur Wanda, part-time pastor. Un pasteur à mi-temps. He's also a painter. Il est aussi peintre. So one day I called him to come and paint the house. Un jour, je lui appelle pour venir peindre ma maison. Brother Wanda entered my house. Lorsque le pasteur Wanda entre dans ma maison, drunk to stupor. Drunk, alcohol. Alors, avec l'odeur de l'alcool. To the point he couldn't even do the painting. Jusqu'au moment où il pouvait même pas travailler parce qu'il était ivre. I said no, this is wrong. J'ai dit c'est méchant, c'est mauvais. Something must be wrong. On doit faire quelque chose à propos. I know this young man. Je connais ce jeune. So that Sunday was anointing service. Ce dimanche c'était un culte d'onction. And she took the anointing oil. Et pendant qu'il a pris lui d'onction, right there in the service. Et après le culte, vomited a live frog. Il a vomi une grenouille vivante. Two cowries. Avec deux. A key, padlock key, tied with black avec un cadenas qui est sorti de son ventre. Came out from him. C'est sorti de lui. And that siege over et ce siège était terminé. So wickedness is real, Lord. La méchanceté est réelle. It's only when you have not seen them, sir. C'est quand vous n'avez pas encore vu. I don't know what the enemy has je ne sais pas ce que l'ennemi a manigancé dans ta vie. By this anointing this par morning, l'onction de ce matin, my God will uproot them. Mon Dieu va le déraciner. I say my God will uproot them. Mon Dieu va le déraciner. I say my God will uproot them. Mon Dieu va le déraciner. In the name of Jesus. Le amen à ma casse. So we are here for recovery. Nous sommes là pour récupérer. Dites amen. Whatever the enemy has stolen from us, l'ennemi a volé tant de choses that belongs to us. Les choses qui nous appartiennent. From salvation. Il nous a volé cela. Anything that makes life tout ce qui rend la vie unlivable, invivable must be uprooted. Doit être déraciné aujourd'hui. Anything that makes for life and godliness tout ce qui vous contribue à la vie et à la must piété be restored. Cela restauré ce matin. In the name of Jesus. Whatever thing that belongs to you tout ce qui t'appartient as your redemptive right. Comme votre paquet de la redemption. Package. Comme votre paquet de la power, redemption. La puissance. Riches. Les richesses. Wisdom. La sagesse. Strength. La force. Honor. L'honneur. Glory. La gloire. Blessings. La bénédiction.
that the enemy has tampered with, que l'ennemi avait volé, it will be restored this ça morning. Sera restauré ce matin. But what must I do to walk in restoration? Que faire pour recevoir la restauration? Numéro un, be born again. Sois né de nouveau. For the wages of sin is death. Car le salaire du péché c'est la mort. But the gift of God is eternal life. Cependant le don de Dieu c'est la vie éternelle et la justice. Our Lord. Salvation. Le salut is key. Est la clé to restoration. Pour la restauration. Number two, numéro deux. Recognize that your restoration is the will of God. Vous devez croire que votre restauration est la volonté de Dieu. It's the will of God. Reconnaître que votre restauration God est la volonté to de Dieu. Recover. Dieu veut que vous récupériez tout ce que l'ennemi a volé. Health unto thee. Il dit, je te restaurerai I la santé. Of their wounds, je te guérirai de toutes tes plaies. Dit l'Éternel. Because the Chaldean outcast parce qu'il l'a say, appelé. This is Zion. Le rejeté, l'a dit, ça c'est Zion. No man. Aucun homme seeketh after. Peut chercher. Number three, numéro 3. Get your faith on the line. Mettez votre foi for your recovery. En ligne you pour votre récupération. Vous devez croire en Dieu. You must believe God. Vous devez croire en that Dieu. Whatever the enemy has tampered with, tout ce que l'ennemi a manigancé sera restauré number en ce culte. Numéro 4. Walk in the fear of God. Vous devez marcher dans la crainte de Dieu. That's godliness. C'est ça la piété. To secure restoration. Pour garantir la number restauration. Five, numéro 5. Engage vous devez engager the mystery le mystère of the Holy Ghost. Du Saint-Esprit. That's the anointing par l'onction to facilitate pour faciliter your recovery. Votre récupération. Number six, numéro 6. Engage the blood. Vous devez engager le sang. To facilitate pour faciliter for the overcame him pour évacuer ces choses by the blood of the Lamb. Par le sang de l'agneau. Number five, numéro 5. Remain committed. Restez to connecté serving God à servir Dieu and the interest of et his les intérêts de son royaume. And number last, et le dernier numéro. God has sent us Dieu nous envoie here this morning ici ce matin for your recovery. Pour ta récupération. Lève-toi là où tu es. And lift up your hands to heaven. Et lève tes deux mains. Élève tes deux mains au ciel. And give Jesus thanks and praise. Donne à Dieu la louange, la gloire. Bénis son nom à haute voix. Give him thanks and praise. Dis-lui merci, bénis-le. Give him thanks and praise. Dis-lui merci, bénis-le, bénis son nom. Father, we thank you. Père, nous te remercions. We give you all the praise and all the glory. Nous te donnons la gloire et la louange. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Like I said, comme je l'ai dit, God does not have a problem. Dieu n'a pas de problème blessing us. Pour te bénir. But he has a problem. Son seul problème with the sin. C'est le péché that is in our lives. Qui est dans notre vie. I want all head bow. Baissons tous nos têtes. I can't guarantee your recovery. Je ne pourrai pas garantir ta récupération ou ta restauration ce matin if you are not standing right with si tu ne marches pas bien and avec I'm not Dieu. Talking about church membership. Je ne parle pas d'être membre I'm talking à l'église. About quality work with Je God. Parle d'une marche de qualité. You are not sure. Tu es sûr where you stand with Christ. Que là où tu te tiens avec Christ. Maybe you have been born again some years ago, peut-être que tu étais né de nouveau you know avant. In your heart mais tu sais dans ton cœur totally que tu as vraiment rétrogradé. What an opportunity this morning. Quelle opportunité ce matin. All head bow, all eyes baissons nos têtes, fermons nos yeux. You want to say, Jesus, je vais dire à Jésus, I am ready je suis prêt for my restoration, pour la restauration, for my recovery. Pour ma récupération. I need you in my heart. Je veux que tu viennes dans I mon want cœur. Things to change for me. Je veux que tu changes I am tired les choses. Of struggling. Ma vie doit I changer. Am tired of suffering. Je suis fatigué. I need a new start, a new beginning. Je veux un nouveau commencement. You want to pray the prayer? Tu veux faire cette wherever prière you are this morning, là où tu es ce matin. Jesus? Why don't you put your right hand on your chest? Alors mets ta main sur ta poitrine. Wherever you are, you want to give your life to Jesus. Tu veux donner ta vie à Christ. Tu veux redonner ta vie à Christ. Mets ta main sur ta poitrine. Pray this prayer with me. Et fais cette prière. Say, Lord Jesus. Dites après moi, Seigneur Jésus. I come to you this morning. Je viens à toi ce matin. As a sinner. En tant que pécheur. Oh, forgive me of my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. And cleanse me with your blood. Et lave-moi par ton sang. I forsake Satan. J'abandonne le diable and all of his ways, et toutes ses voies. And I receive you to my heart, je te reçois dans mon cœur comme Savior. Seigneur et Sauveur. Thank you, Lord Jesus, merci Seigneur Jésus for saving me. De me sauver. Now I know that I'm born again. Je sais que je suis né the de child nouveau. Of the kingdom. Je suis enfant du royaume. Amen and amen. Amen et amen. You prayed a prayer this morning. Tu as fait cette prière lift ce matin. Right above your head. Lève ta main droite. I just want to pray with you. Lève ça bien before haut. We continue. Lève ta main your droite. Right hand above your head clearly. Très bien. Now come and meet me in the front here. Viens devant. Viens let devant. Me pray those blessings into your life. I want to pray those blessings into your life. Papa va libérer les bénédictions sur toi. Tu as levé la main, viens devant. I want to pray those blessings. Accueille, dirige les bénis. Come. Venez rapidement. The other will come, the faster they come. Just come. Venez rapidement. Don't wait to be encouraged.
It's between you and God. C'est entre vous et Dieu. He's calling you this morning. Dieu vous appelle ce matin. You can't afford not to answer him. Il veut changer quickly votre vie. Call, call. Venez, venez rapidement. You know you raised your hand. Tu as levé ta main. And you prayed a prayer with tu as fait me. La prière après you're moi. In the main hall. Viens devant. You are the overflow. Tu es dans la salle. In the gallery. Tu es à la galerie. Call. Viens devant. Jesus. Jésus. He wants to give you. Veut te sauver. A new start. Il veut te donner a un nouveau beginning. Cœur. Un nouveau commencement. Are you still coming? Venez rapidement. Church, the harder we clap, the faster they come. Plus on acclame, plus vite ils vont venir. They are still coming. Ils viennent, ils viennent, ils viennent. They are still coming. Ils sont en train de venir. They are still coming. Ils sont en train de venir. Father, we thank you. Père, merci. We say to you alone be all the glory. À toi seul soit toute la gloire. Lord, I pray for these your precious sons and daughters. Prions pour tes fils et filles. And I declare. Et je déclare. The same grace and power. La même grâce et le même that pouvoir. Brought them this morning. Les a emmenés en ce lieu. Sustain them in the faith. Les maintient dans la foi. Until the coming of our Lord Jesus Christ. Jusqu'à la venue de Jésus Christ. Amen and amen. Amen et amen. Please look at me. Regardez le pasteur. I have you in the place. Et il y a une personne à votre droite. Suivez-la. Suivez notre sœur. Elle a des informations à vous transmettre. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Now. If you have your own oil, please lift up si your tu own as amené ta bouteille, soulève ta bouteille. Can come out. Les pasteurs vont venir. And if you don't have your own oil, stretch out your hands. Si tu n'as pas ta bouteille d'huile, étends ta main ici. And talk to God in prayers. Parle maintenant à Dieu dans la prière. What must this oil do for me? Cette huile doit please faire don't quoi sit down, rise up on your ne vous asseyez pas, levez-vous. We are here for serious business. Nous sommes là pour les affaires sérieuses. What must be recovered? What qu'est-ce qui doit être récupéré? Qu'est-ce qui doit être récupéré dans ta vie? Through this anointing. Par l'onction d'huile. Talk to God in prayers. Parle à Dieu maintenant. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions. To you alone be all the glory. À toi seul soit the Father, we declare this oil blessed. Papa, nous déclarons cette huile bénie. Let your power flow through it now. Que ton pouvoir coule dans cette huile. Let this oil be the oil of recovery. Et que cette huile soit l'huile de la récupération. The oil of restoration. L'huile de la restauration. Whatever the enemy has tampered with. Tout ce que l'ennemi avait volé. In the destiny of your people. Dans la destinée de ton peuple. Whatever has made their life and destinies. Tout ce qui a rendu leur vie. Unbearable. Misérable. Unlivable. Invivable. Let it be destroyed this cela morning. Cela est détruit ce matin. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Whatever the enemy has stolen. Tout ce que l'ennemi a volé. In their health, dans ta santé, wasted years, dans tes années perdues, in their career, dans ton entreprise, in their business, dans ta carrière, concerning their finances, concernant tes finances, whatever the enemy has tout stolen, ce que l'ennemi avait volé, let it be restored this morning. Cela est restauré ce matin. In the name au nom of de Jesus, Jésus, your glorious destiny will be restored. La gloire de ta destinée est restaurée. Your marital destiny will be restored. Ta destinée maritale est restaurée. Your financial destiny will be restored. Ta destinée financière est restaurée. Your professional destiny will be restored. Ta destinée professionnelle est restaurée. I see that your struggling business restored. Ton entreprise qui luttait restaurée. That your struggling career restored. Ta carrière qui titubait restaurée. Your health restored. Ta maison restaurée. In the name of Jesus. Thank you, mighty God. Merci, Dieu puissant. In Jesus, most precious name. Au nom très précieux de Jésus. If you have your own oil with you, si vous avez votre huile avec vous, put a shot of that. Pastors, go ahead. Les pasteurs, allez-y. Put a shot of that oil on the cap of the. Mettez un peu sur votre bouchon. If you don't have, just take a shot of that oil. Et vous allez prendre un peu dans votre bouche. Whatever the Father has not planted tout in ce you, que Dieu n'a pas planté en toi, that is behind what you have lost. Qui est derrière ce que tu as perdu? I see it be flushed from your system. Cela va évacuer de ton organisme. In the name of Jesus Christ. And so shall it be. Ainsi soit-il. In Jesus' most precious name. Au nom puissant de Jésus. Now, maintenant, remain standing. Restez debout. Once you anoint yourself, une fois que vous you cannot take your seat. Vous allez maintenant so vous can asseoir. Know the people that have been attended to. Les gens qui pastors, n'ont pas encore reçu lui, les restez debout. Ceux qui ont reçu lui peuvent s'asseoir. Kembo, 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 kumna na zulwe.
lift up your hands again to heaven. Maintenant, élève tes deux mains maintenant. And give Jesus thanks and praise. Dis merci à Dieu, dis merci Father, à Dieu. We thank you. Seigneur, nous te remercions. To you alone be all the glory. À toi seul soit la gloire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You are returning with your restoration testimony. Tu pars d'ici avec ta restauration. You are returning back with your recovery testimony. Tu pars d'ici avec ton témoignage de restauration. In the name of Au Jesus nom de Jésus-Christ. Put your hands together for the Lord. Acclame fort le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. If you are blessed by that power, put si your hands together for the parole, Lord. Pour l'Éternel. Hallelujah. Bon, l'Éternel. We have an epistle sent to us by Bishop David Oyedepo. Nous avons une épître qui nous a été envoyée par l'évêque David Oyedepo. The apostle over this commission. L'apôtre sur cette commission. And the subject is. Et le sujet est. Special epistle on Shiloh rally. Épître spécial sur le rallye de Shiloh. And publicity. Et publicité. Shiloh 2024. Shiloh 2024. Ever winning wisdom. La sagesse toujours gagnante. There's no problem of life without a wisdom solution from God. Il n'y a pas de problème de la vie sans une solution de sagesse de la part de Dieu. God shall be baptizing everyone. Dieu baptisera tout le monde. At Shiloh with the ever winning wisdom. À Shiloh avec la sagesse toujours gagnante. Remember. Rappelez-vous that by wisdom que c'est par la sagesse is a house built, qu'une maison est bâtie and by understanding et par l'intelligence it is established. Qu'elle est affermée. Come for an encounter with the wisdom from above. Venez avec une, pour une rencontre avec la sagesse d'en haut that will put you above all situations of life. Qui vous mettra au-dessus de toutes les situations de la vie. From scriptures, les écritures we understand nous apprennent that divine wisdom que la sagesse divine is the ever-winning ticket of life. Est le ticket gagnant de la vie. As it is written, car il est écrit, the wise que les sages shall inherit glory, de la gloire, but shame et que la honte shall be the portion of fools. Sera le partage des insensés. There is a wisdom. Il existe une clé. There is a wisdom key. Une clé de sagesse. To every door. Pour chaque porte. That one desire to see open. Que l'on souhaite voir s'ouvrir. He said, come expecting. Venez en espérant. To return with wisdom. Repartir avec une sagesse. That will open seemingly impossible doors. Qui ouvrira des portes apparemment impossibles. On your path of destiny. Sur le chemin de votre destinée. According to Christ. Et selon le Christ. Other sheep have I that are not of this fold. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. And so there are God ordained winners. Il y a là des vainqueurs désignés par Dieu. Out there. Qui sont dehors. That we must bring so they can come to Christ. Que nous devons emmener pour qu'ils puissent venir à Christ. And lay hold on the keys of the kingdom. Et s'emparer des clés du royaume. That will turn them to signs and wonders among men. Qui les transformeront en signes et merveilles. We are all admonished. Nous sommes tous exhortés. So reach out. À tendre la main. So our colleagues in offices. À nos collègues au bureau. Our neighbors, à nos voisins, where we live, à nos amis, our friends, nos amis, family members, aux membres de notre famille, and everyone you desire, et à tout ce que vous souhaitez, to express change your story, voir changer d'histoire. I pray for everyone, je prie pour chacun d'entre eux, for the required utterance, afin qu'ils aient la parole nécessaire, to bring multitude to Christ, pour emmener des multitudes à Christ, for Shiloh 2024, pour Shiloh 2024. Therefore, par conséquent, we should get down to the highways, nous devrions descendre sur les routes, go to the hedges, et les haies. And compare them to come. Et les contraindre à venir. Remain ever blessed. Demeurez à jamais béni. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Bishop David Oyedepo. L'évêque David Oyedepo. Put your hands together for the Lord. Acclamons pour l'Éternel. Hallelujah. Louons l'Éternel. In case you have not dropped your offering for this service. Au cas où vous n'avez pas donné votre offrande pour ce culte. Please can you bring it out? Veuillez la sortir s'il vous plaît. As you bless that offering. Et nous allons bénir ces offrandes. If you have not dropped your offering for this si service. Si vous n'avez pas pu donner votre offrande pour ce culte. We declare the offering blessed. Sortez vos offrandes, elles sont bénies. And sanctify. Et elles sont sanctifiées. The church official will pick it from us. Les officiels de l'église vont les récupérer. Let's take note of this as we round up in this service. Prenons note de ceci tel que nous clôturons le culte. After the second service. Après le deuxième culte. God's servants will be ministering to all businessmen. Le serviteur de Dieu rendra ministère à tous les hommes d'affaires et carrière main, toutes les personnes de carrière. You come along with your points of contact, vous venez avec votre point de contact as God's servant minister to us, et il va rendre ministère à cette catégorie. And this will be a blessing to everyone. Et ça sera une bénédiction pour tous. After this first service, après ce premier culte, God's servant minister to as many that we can minister to, le serviteur de Dieu pourra rendre ministère au nombre de gens possible in the office, dans son bureau for that one-on-one encounter with him, vous pourrez avoir des rencontres en personne avec lui just for a couple of minutes, pour quelques minutes seulement before return back for the second service.
gens qui reviennent pour le deuxième culte. And you can wait till the second service. Vous pourrez aussi attendre le deuxième culte. It also be better. Et ça sera mieux encore. And for those that may not be able to see him today. Pour ceux qui ne pourront pas le voir aujourd'hui. Tomorrow Monday. Demain lundi. By 12 noon in the afternoon. À 12h. That opportunity. Vous aurez l'opportunité. Will also be available. Il sera aussi disponible. In the covenant. Dans l'alliance. God's word declares to us. La parole de Dieu déclare. Select him that is taught in the world. Que celui qui est dans la parole. Communicate to him that teacheth in all things. Qui communique à celui qui enseigne toutes choses. He that receive a prophet in the name of a prophet. Celui qui reçoit un prophète au nom du prophète. Shall receive the prophet's reward. Recevra la récompense du prophète. And so as you come to God's servant. Dans tel que vous venez au serviteur de Dieu. Come with that seed of contact. Venez avec cette semence d'amour. That will connect it to your blessing. Qui va vous contacter à votre bénédiction. It's a demand in the covenant. Et c'est écrit dans l'alliance. And as you do so, we shall be blessed. En le faisant, nous serons bénis. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Is anyone here for the first time? Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Today is your first time in our midst. Aujourd'hui, c'est votre premier dimanche parmi nous. I'd like to welcome you specially. Nous aimerons vous recevoir spécialement. On this special occasion. En ce culte spécial. Today is your first time. Aujourd'hui, c'est votre premier dimanche. Can I see your hands up? Levez votre main, s'il vous plaît. God brought you today. L'Éternel vous a emmené dans cette église aujourd'hui. Please let me see your hands up. Levez votre main, s'il vous plaît. And please be on your feet. Tenez-vous sur vos pieds. Be on your feet. Mettez-vous debout, s'il today vous plaît. Today is your first time in our votre midst. Votre premier jour parmi nous ce please dimanche. Please carry your Bible. Prenez vos affaires. Carry your bag. Votre Bible, and votre please come forward. Approchez-vous de l'autel. Today is your first time in votre this premier service. Dimanche, rapprochez-vous de there's l'autel. A blessing that God shall release over you today. Please come very church. Let's put our hands venez as they come. Rapidement l'église, on acclame pour we're so glad ces to have you âmes. Today. Nous sommes heureux de vous voir ce matin. God brought you on this special day. L'Éternel vous a emmené en ce jour spécial. So change your life. Changez votre vie. And to add to your life. Et pour ajouter à votre vie. We're so glad to have you. Nous sommes contents de vous voir ce matin. We're so glad to see you today. Nous sommes heureux de vous voir aujourd'hui. We're still waiting for you. Nous continuons à vous attendre. As you come very fast. Venez rapidement s'il vous plaît. As you close in this first service. Venez rapidement. Hallelujah. Gloire, your coming is not a coincidence. Votre venue n'est pas un hasard. God brought you to bless you today. L'Éternel vous a emmené pour vous bénir aujourd'hui. Let's not forget. N'oublions pas. As soon as we share the goodness. Dès que nous aurons partagé la grâce. Want to meet one-on-one with God's servant. Vous aimeriez voir le serviteur de Dieu en personne. Just come to the office. Il sera au bureau du pasteur. The pastors will coordinate us. Et il y aura quelqu'un pour coordonner. Within the few minutes available. Et deux minutes. And the Lord will bless us. Et l'Éternel nous bénira. Please join me to receive God's servants. Ensemble, recevons le serviteur de Dieu. Father, we say thank you. Père, en nous disant merci. We declare this one's blessed. Nous déclarons ces âmes bénies. The hand of God rests upon la you. Main de Dieu repose sur vous. Perfect in all that concerns il rend parfait you. Ce qui vous concerne. Every issue concerning your life. Chaque souci dans votre vie. They are turned to testimonies. Échangé en témoignage. In the name of dans Jesus. Dans le nom de Jésus. You are welcome. Vous êtes les bienvenus. And we love you. Et nous vous aimons. Please let me tell you, we love you. L'Église disant ensemble, nous vous aimons. Please open your eyes and just follow ouvrez official. Vos yeux, suivez la sœur de l'autre côté. Hallelujah. Let's be on our feet again. Levons-nous ensemble. As we receive God's servant. Et recevons le serviteur please de Dieu. Let's put your feet, everybody. Levons-nous tous. Hallelujah. Now lift up your hands again to heaven and give s'il te Jesus. S'il lève tes deux mains au ciel, dis merci à Dieu. Father, we thank you. Père, nous te remercions. We give you praise. Nous te louons. Hallelujah. Hallelujah. Now pick up those s'il vous plaît, things you wrote. Prenez vos papiers que vous avez mis sous pick votre siège. Prenez-les. And straighten them forward towards this altar. Vous allez les étendre vers l'autel. Étendez-les vers l'autel. And begin to talk to God in prayer. Et vous allez maintenant parler à Dieu dans la prière. Say, Lord, Seigneur, give me my own restoration. Accorde-moi ma propre restauration dans ce domaine. I desire visitation. Donne-moi ma propre restauration. I desire visitation. Dans cette situation, I desire a visitation. Seigneur, j'ai besoin d'une visitation. Father, we thank you. Père, nous te remercions. And to you alone be all the glory. À toi seul soit toute la gloire. In the name of Jesus. Au nom de now, Jésus. Father, we thank you this morning. Père céleste, merci ce matin. For every need, pour tous les besoins, every desire, tous les désirs, every expectation, toutes les attentes, that is documented, qui sont documentées, on those pieces of papers, qui sont sur ces papiers, I declare them now, je les déclare maintenant, turn to a testimony, changer en témoignage. In the name of au Jesus. Au nom de Jésus. In where is Pastor Abraham's church? What's it called? Mokombo. Somebody wrote something. À Combo, quelqu'un a écrit quelque chose. Before the end of the second service. Avant la fin du deuxième culte. Came to share the testimony. Ça a été déjà changé en témoignage. Now between now and the end of today. Entre maintenant et la fin de la journée. My God will visit you. Mon Dieu te visite.
Within the next 24 hours, dans les prochaines 24 heures, if I be a servant si of je God, suis serviteur de Dieu, there will be harvest of testimonies. Il y aura moisson de témoignages. Between now and Shiloh 2024, entre maintenant et Shiloh 2024, virtually everything you wrote on that tout paper, ce que tu as écrit dans ton papier will turn to a testimony sera in your changé hands. En témoignage. In the name au nom of de Jesus, Jésus, it is done. C'est fait. Wave those people balance to the ton Lord papier à Dieu, balance ton papier à Dieu. Father, we thank you. Dis-lui merci à haute voix. Bénis son nom. Merci Seigneur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. For all of us who are businessmen, vous qui êtes des hommes d'affaires, career people, les gens de carrière, politicians, vous êtes des politiciens. A special session after the second service. On aura une session spéciale with après. Every sense of humility, le deuxième culte après tout sens d'humilité. I used to say jokingly. J'ai dit souvent aux gens, I may pray for somebody for healing. Je peux prier pour toi pour la guérison. And healing may not come. Et qu'il n'y a pas guérison. But I don't think I've prayed for a business. Mais quand j'ai prié pour ton entreprise, that they come back with a testimony. Tu dois venir avec un témoignage. I stand before God. Je me tiens devant Dieu, c'est la vérité. We stood and we agreed. Et on est d'accord. And God did his job. Dieu va le faire. After the second, I will share the testimony. Après le deuxième culte, il y aura des témoignages. Business person, vous qui faites les affaires, you need to go, probably come back fine. Si vous pouvez aller quelque part, revenir après le deuxième culte, vous pouvez venir. Ou rester pour le deuxième culte. Mais Dieu te visite ce matin. In the name of, lift up your hands to heaven. Lève tes deux mains au ciel. Give him thanks. Dis merci à Dieu. Give him praise. Loue-le. So go in peace. Allez en paix ce matin. The week is declared as your week of recovery. C'est déclaré ta semaine de récupération. It's declared as your week of restoration. C'est déclaré ta semaine de restauration. Between now and Sunday, entre maintenant et dimanche, you will return with a restoration testimony. Vous viendrez ici partager des témoignages de restauration. In the name of Jesus. Amen. Thank you, mighty God. Merci, Seigneur. In Jesus. Au nom puissant de Jésus. Let's share the goodness together. À haute voix, le bonheur et la grâce. Shiloh 2024. Shiloh 2024. Ever winning wisdom. Sagesse toujours gagnante.